a quelques jours, le groupe Placebo s'est félicité sur Twitter d'avoir pu rassembler par moins de 60 000 livres, soit 68 700 euros environ, grâce à une vente aux enchères. En vendant plus de 300 objets tirés de leur carrière, comprenant des accessoires visibles dans les clips, des guitares et autres vinyles, Brian Molko et ses acolytes souhaitaient venir en aide à deux associations. D'une part, le Mercy Centre de Bangkok qui vient en aide à la population défavorisée, mais aussi et surtout la Calm Campaign Against the Living Miserably. Plus grand que à lire aussi, vidéo. Brian Molko n'est pas très fier de ses soirées avec Marilyn Manson brisées le silence, il, la Calm, essaie de sensibiliser les jeunes hommes britanniques face au suicide des hommes. Le nombre est vraiment, vraiment très élevé, nous avons besoin de faire tomber les préjugés qui entourent la dépression, et un de leurs buts est d'amener plus d'hommes à dire ce qu'ils ressentent plutôt que de s'isoler et parfois d'en venir à une fin tragique, a déclaré Brian Molko lors d'un entretien accordé à NME. Et si cette problématique touche particulièrement le chanteur, c'est qu'il se sent concerné au premier chef. Calm est une fondation que je porte dans mon cœur parce que je souffre moi-même de dépression.